L'avertissement de 48 heures déclenché par le syndicat des douanes du Bénin Sidom, le président de la République a eu un échange avec les membres du bureau directeur national du Sidom le mardi 26 janvier 2016. À l'issue de la restitution qui lui a été faite au cours d'une assemblée générale extraordinaire, les travailleurs des douanes ont pris acte de la promesse du président de la République pour son implication personnelle afin qu'une suite favorable soit donnée aux revendications du Sidom au plus tard le lundi 1er février 2016. En conséquence, les fonctionnaires des douanes, prenant en compte l'intérêt supérieur de la nation et conscients de leur mission de mobilisation des ressources budgétaires pour le développement du Bénin, accordent un moratoire de 5 jours au gouvernement pour compter du mardi 26 janvier 2016. À l'issue de ce moratoire, les travailleurs de l'administration des douanes se réservent le droit de reprendre les mouvements de grève suivis d'une série d'actions à intensité progressive si aucune avancée significative n'est constatée. Ils rendront responsable le gouvernement des déconvenues qui découleraient de son entêtement et de son mépris vis-à-vis des travailleurs des douanes. Enfin, ils prennent à témoin l'opinion publique nationale et internationale de leur bonne foi. Fait à Cotonou, le 26 janvier 2016, l'Assemblée générale.